déjà fait ça. Pourquoi tu as écrasé les martiens? Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Salut Internet, c'est Carlos. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo commence, je voulais vous parler une fois de plus de SoliProno. SoliProno, c'est un pronostiqueur, d'accord, qui fait des paris sportifs sur le foot, sur le foot en particulier. Et je vais vous dire une chose. L'Euro arrive, donc c'est l'occasion parfaite pour faire de gros paris et prendre un maximum de thunes. Donc j'en ai essayé pas mal des pronostiqueurs, mais SoliProno, aujourd'hui, je vais faire une nouvelle fois confiance à lui parce que c'est le seul qui m'a fait gagner autant de pognon jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas une blague. Bref, les amis, n'hésitez pas à le rajouter sur Snapchat qui s'affiche ici depuis le début de la vidéo. N'hésitez pas aussi à aller en description, il y a tous les liens qui s'affichent. Et pour le reste, vous avez juste à lui faire confiance, les yeux fermés, c'est Bibi qui le dit, donc n'hésitez pas. Gros bisous à tous, que la vidéo commence. Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo comme je viens de le faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao. Salut Internet, c'est Kamoff. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est sur un parc avec, comme vous pouvez le voir derrière moi, des toilettes. Il s'avère que dans ces toilettes, une personne s'amuse à coller des lames de cutter, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester ici. On va voir les lames. Je vais vous montrer qu'il y a bien, effectivement, c'est pas des conneries, il y a bien un mec qui pose des lames de cutter ici pour blesser des enfants, parce qu'ici, il y a beaucoup d'enfants qui viennent. Donc en fait, le mec s'amuse à coller des lames de cutter tout au bord des chiottes pour que quand les gens s'assoient dessus, ils se blessent. On va vous montrer que c'est pas des conneries, que c'est réel. Et on va rester ici toute la journée pour voir si on tombe sur le mec qui vient déposer les lames et lui donner une bonne leçon, lui expliquer que ce qu'il fait, c'est très très grave et que ça se fait pas. Donc là, on va aller aux toilettes. Je vais vous montrer les cuvettes, je vais vous montrer les chiottes et je vais vous montrer les lames de cutter qui sont posées dessus, qui sont bien collées d'ailleurs. Donc à tout à l'heure, j'espère que cette vidéo vous plaira. Ciao. Donc là, on arrive devant les toilettes du parc, d'accord? Donc c'est des toilettes sèches. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est les toilettes sèches, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Et tout ce caca et ce pipi va dans un récipient. Regardez, là, il y a les récipients, vous voyez. Et en fait, tous les excréments, ils s'accumulent ici, dans cette cuve. Maintenant, je vais vous montrer les lames de rasoir, enfin, les lames de cutter qui sont posées tout autour des toilettes. Et ce qui est ouf, c'est que c'est des toilettes pour enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent ici, donc c'est pour blesser des enfants. Et je ne sais pas pourquoi cette personne fait ça. Venez voir. Donc là, on arrive dans les toilettes. Donc vous voyez, là ici sur ces toilettes, donc bon, il y a du caca, mais vous voyez ici, là, il y a des lames tout autour posées, des lames qui coupent, des lames de cutter les gars. Regardez ce que ça fait, voilà, d'accord? Donc ça coupe, c'est pas des conneries. Le problème, c'est que ça peut blesser des personnes âgées, des femmes, des handicapés et des enfants. Et ça c'est intolérable. On va enlever les lames pour que personne ne se blesse entre temps. Je vais enlever cette lame. Voilà, vous voyez, c'est collé, je sais pas avec quoi. Regardez, ça c'est de la glu ça. Ça pour moi c'est de la glu. Putain. Maintenant qu'on a enlevé de lames de rasoir, plus personne ne peut se blesser. On va attendre et à chaque fois que quelqu'un rentrera dans les toilettes, on ira voir s'il n'y a pas de lames de rasoir. Parce que vous comprenez bien que si quelqu'un rentre dans les toilettes, qu'on revient et qu'on voit qu'il y a des lames de rasoir, ben, automatiquement, ça sera la personne qui est venue juste avant qui a posé les lames. Donc voilà, on va attendre et on va voir comment ça se passe, tout simplement. Allez, à tout. Bon là, on attend que quelqu'un vienne. Là, il y a un mec qui arrive, je le vois, hop. En plus, c'est un jeune. Ok, il va aux toilettes. Ok, dès qu'il sort, dès que ce mec sortira des toilettes, on va aller voir derrière. Et depuis tout à l'heure, hop. Ah, et puis il a fait vite, hein. Vas-y, viens, vas-y, va. Bouge vite. Vas-y. Maintenant, on va voir s'il y a des lames. S'il y a des lames, ça veut dire que c'est lui, parce qu'il n'y en avait plus. Non. Y'a rien, regarde, je filme de plus près et tu verras, y'a rien. Non, donc c'est pas lui. Ok, ben on retourne dans la voiture et... Bon, ben là y a pas de lame, donc c'est pas ce mec là qui pose des lames, ça c'est sûr et certain. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans la voiture, on va attendre et on va faire ça à chaque fois, quoi. Voilà, jusqu'à tomber sur un mec, et tant le mec il vient même pas aujourd'hui, ça le truc.
Là, il y a un mec qui arrive, je le vois sur le côté là. Ouais. Ok, c'est un jeune aussi, comme là tout à l'heure. J'espère que c'est lui, frérot, parce que je commence à bouillir. Je suis à 9 cuits là. Il fait très très chaud dans la voiture. Il met du temps. C'est bizarre qu'il mette du temps comme ça, frère. L'autre, il est rentré, il est sorti, il a pissé, il est sorti. Lui, il met du temps quand même. La porte, elle reste ouverte? Ah ouais. Ok. Allez, on y va. On va voir, c'est bizarre. Ok, c'est lui, regarde, c'est lui, frérot. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lames. Il y avait pas de lame juste avant, c'est lui. Viens, on y va vite. Go, go, go. Excusez-moi, je suis avec un ami qui filme là. On vous a vu mettre des lames de rasoir ou de cutter dans les toilettes. C'est normal? Mais c'est normal, vous venez, vous me cassez les couilles là. Déjà, tu vas redescendre d'un étage. Non, tu vas redescendre. Tu as une caméra ou quoi? C'est quoi ça? Eh ben, comment ça, c'est quoi? On t'a vu mettre des trucs là. Écoute-moi, baisse d'un ton. Déjà, là, tu descends. Je te le dis, parce que là, on est filmé. Je vais baisser la caméra, ça va pas aller, je te le dis. Bon, écoute-moi, on t'a vu, on était dans la voiture, on t'a vu rentrer. D'accord? Ouais, donc je rentre pisser, ça y est. Non. On t'a vu. Valverde, mon gars. Non, on t'a vu, mais c'est toi qui devrais aller à Valverde, parce que c'est toi qui mets des lames de rasoir. Ou de cutter, non? C'est quoi? Tu vois que je vais pisser. Tu allais pisser? Ouais. C'est simple, fais voir tes poches. Voilà, téléphone, ok. Ensuite, vas-y, sors ce qu'il y a dans les poches. Il y a un truc dans les poches là. Ouais, il y a mes clés. Non, il y a un truc dans les poches. Il y a mes clés, vas-y, sors. Sors. Tu veux que j'aille au flic? Moi, c'est simple, je t'explique, je vais au flic. Hein. Bah, vas-y, la vidéo. J'ai la vidéo, je vais au flic. Sors ce que t'as dans les poches. Vas-y, me donne. Vas-y, donne. C'est quoi ça? Vas-y, allez, donne. Ok. Donne. Voilà, de la colle glue. Et après? C'est quoi ça? Ça. Fais voir. Sérieux, je me disais. Fais voir. Putain. Voilà, c'est quoi ça? Vas-y, lâche. Donc ça, c'est une lame de cutter, on est d'accord? Ouais, je suis amusé. Bah écoute, tu vas arrêter de me prendre pour un con maintenant, d'accord? Tu vas bien arrêter de me prendre pour un con, tiens, prends ça. Bon. Donc, un conseil, on va là-bas, on va voir ensemble les lames de cutter que tu as mises et tu vas m'expliquer pourquoi tu as fait ça, d'accord? T'as compris? Tu préfères ça ou que je t'affiche? Je m'en fous, moi. Je m'en fous. Vas-y, on y va. Incroyable, putain. N'allez pas aux toilettes, ceux-là, je vais vous montrer pourquoi. Ah, d'accord. Parce qu'il y a un mec qui s'amuse à coller des lames de cutter. Oh. Décidément, c'est plein de... Ouais, ben venez voir, je vous montre. Regardez. On va les enlever là, mais tout à l'heure on a vu ça. Ah d'accord. Voilà. Vous voyez là, il y a des lames de... Bien. Là. C'est vicieux. Ah. Ouais. Ouais. Même ouais. On pose les fesses. Ouais, ouais. C'est incroyable. Belle époque, j'adore cette époque. 2021. Elle est magnifique. Alors tu vois, t'as vu là, les gens. Je leur ai pas dit que c'était toi. J'aurais pu leur dire. Je dirais rien. Tu seras fouté sur la vidéo. Uniquement si tu m'expliques pourquoi tu as fait ça. Voilà. Maintenant, viens avec moi. Explique-moi. Voilà. Explique-moi pourquoi il y a encore des lames de rasoir ici. Moi, je veux savoir. Voilà, je veux savoir. Sinon, je le dis à tout le monde. T'as vu là? T'as eu chaud là? Quand les gens sont venus, t'as eu chaud? T'as pas voulu que je le dise? Imagine si je dis ça à 700 000 personnes. Mec, tu déménages de France. C'est même pas de Marseille que tu déménages, c'est de France. Ouais, vas-y, commence par enlever ça, s'il te plaît. S'il te plaît, oh, fais pas ton cinéma. Oh, écoute-moi. Fais pas ton cinéma. Tu as su les mettre. Je te parle. Tu as su les mettre? Je fais ce que tu me demandes et tu es pas content encore? Non, mais si tu veux, on peut aller au commissariat. Tu verras comme. Allez, enlève-les. Voilà. J'ai tout dedans. Voilà, maintenant tu vas m'expliquer pourquoi tu fais ça. Hein? Alors vas-y, je t'écoute. Viens avec moi. Je t'écoute. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi? Comme tu entends tout à l'heure, moi en fait j'habite juste à côté, genre, mais vraiment. Ouais. Tous les gens qui viennent ici, ils viennent jusqu'à pas d'heure parce que les filles ne viennent pas. Ils ramènent du bruit avec les voitures, musique à fond, ils font bordel, ils polluent. Ça, ces toilettes, eh ben, cette saloperie, ouais. Dégage l'odeur dehors, mais vers moi, c'est ça le problème, vers où j'habite. Et donc? Et ça me casse les couilles. D'accord. Tout pollué et tout. D'accord, donc pas les couilles. Donc parce que... Il y a des gens qui polluent, des gens qui font du bruit parce que ça pue. Il faut coller des lames de cutter et blesser des gens. Ah, t'as logique. Ah, ils chieront pas dedans. Non, mais attends, attends, ne me dis pas que c'est ça. C'est ça, Nston. Dis-moi que c'est une blague. Non, tu ne vis pas à côté de ça. Tu es en train de me dire là, c'est en train de me gonfler, tu es en train de me dire parce que ça pue. Je vis pas à côté de ça, mais frère, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas tuer des gens parce que ça pue?
Mais je vais pas les tuer. Mais comment tu vas les tuer? C'est un enfant qui s'assoit là. Que tu le coupes, qu'il se coupe une artère ou n'importe quoi, on fait comment? Tu viens tous les jours faire ça? Ouais. Tous les jours? Ouais. T'as que ça à faire. Bah maintenant qu'est-ce qu'on fait? Je remets les lames et je te force t'asseoir dessus pour que tu comprennes ce que ça fait? Non. Eh non, pourquoi non? Pourquoi? Si c'est pas grave, ça tue pas des gens, vas-y assieds-toi dessus. Je remets les lames, tu me passes ta lame là, on les remet. Et on les colle, tu me montres comment tu fais là, ta petite technique. Et tu t'assois dessus. On fait ça? Soit ça, soit au commissariat, on fait quoi? On fait éviter le commissariat déjà. Ouais, bah alors qu'est-ce qu'on fait? T'assois sur les lames? Non. On ne se laisse non plus. On n'est pas comme ça, on n'a pas envie de faire mal aux gens. Faire éviter. Voilà, donc parce que ça pue, toi tu blesses des gens, des enfants. Oh, il y a des enfants là. Il y a des enfants, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils s'assoient là. Qu'est-ce qu'on fait s'ils se blessent? Qu'est-ce qu'on fait s'ils se tuent? Putain, parce que ça pue! Mais écris à la ville, t'en prends pas aux gens qui utilisent les toilettes. Prends-toi ça. Je l'ai pas fait. Mais c'est... Ben, on s'en bat les couilles. Eh ben on s'en fout, mais c'est pas comme ça que ça va marcher, tu comprends? Pourquoi tu mets les lames de cutter qu'aux toilettes des femmes? Elles sont obligées de s'asseoir. Ah, parce qu'elles sont obligées de s'asseoir. Donc ça blessera plus de monde. Du coup, elle ne va pas. Toi, ce que tu cherches, c'est qu'il y ait un drame ici. Et que ça passe sur le journal et qu'on dise voilà, on a supprimé les toilettes parce qu'il y a eu un drame, c'est ça? Franchement, je cherche pas le drame. Excusez-moi. Excusez-moi, en faisant ce que tu fais, tu cherches le drame. Je suis désolé. Voilà, désolé. Donc là, on va appeler les flics. Hein. Je suis désolé, moi, je peux pas rester. Je peux pas aller, c'est comme ça, frère. Je vais appeler les gens. Mais pourquoi de suite? Mais non, je suis obligé. On en parle tranquillement depuis tout à l'heure. Mais on parle tranquillement, mais tu es en train de me dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, vas-y, moi j'appelle les flics sinon. Je sais pas, on peut trouver un truc. Mais quoi? Moi je vais dire que je recommence pas. Hein. Donne-moi ton téléphone, je vais appeler les flics. Je vais même pas, je cherche à. Ah carrément, donc maintenant c'est. Donne-moi le téléphone. Ça passe sur ça. Non, mais je vais pas te le voler, t'inquiète pas. Je vais pas te voler le téléphone, donne-moi le. Voilà. Déjà au moins tu partiras pas, c'est sûr. Le téléphone, je te le rendrai, t'inquiète pas. On fait quoi? Je nettoie toutes les toilettes. Tu crois c'est trop simple. Tu nettoies toutes les toilettes. Ça va, tu vas commencer dedans. Ouais, mais non, tu vas pas nettoyer les toilettes, non. C'est trop simple ça. Moi je vais être sûr que tu recommences pas, parce que c'est grave ce que tu fais. Je vais aller au flic, hein, parce que c'est très grave ce que tu fais. J'en ai amené au flic pour moins que ça, crois-moi. Je le déguise en chiotte ou pas? Ouais. Ouais. T'aimes pas les toilettes? Bah non. T'aimerais pas en être une? Non. Tu veux qu'on trouve un arrangement? Ouais. T'es sûr? Oui. Alors on va trouver un arrangement. Bon les amis, vous savez qu'on n'est pas méchant sur Kamoff. Vous savez qu'on aime bien rire aussi. Vous savez qu'on aime bien donner des leçons aux gens. Donc notre ami, on a trouvé un compromis avec lui, un arrangement, comme il a demandé. Et vu qu'il aime tant les toilettes que ça, au point d'y poser des lames de cutter, on l'a déguisé en toilette. Alors ça fait quoi d'être une toilette? J'ai pas les mots. C'est simple, je vais te poser une question. Regarde, je vais te poser une question simple. Tu vois là-dedans, c'est tous les gens qui font leurs besoins, tu vois. Je comprends que ça pue, hein. Et ça pue. Donc maintenant, là, tout à l'heure, tu m'as donné ton téléphone. Si je jette ton téléphone dedans, on fait comment? Non, regarde. Non, recule parce que sinon je te jure, je te regarde. Non, recule, sinon je jette. S'il te plaît, recule. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je le jette dedans? Non, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine? Parce qu'il peut tomber, hein. Il peut tomber facilement dedans. Regarde là, le téléphone. Hop là! S'il te plaît, arrête de jouer ça. Regarde, hop! Parce que là, s'il tombe là. Pour le récupérer, mon pote. Ouh! T'en as pour un moment, hein? Il faut récupérer le téléphone. Hop là! Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On le jette, hein? Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je t'ai écouté. Tu m'as écouté? Est-ce que c'est la peine de mettre des lames de cutter sur des toilettes pour que les gens ne viennent pas aux toilettes et pour qu'ils suppriment les toilettes? Ça vaut la peine ou pas? Non. Alors ton téléphone non plus, il en vaut pas la peine. Allez, va le chercher. Oh eh oui. Eh oui. Eh parce que. Mais tu es sérieux ou quoi? Au moins tu comprends. Ah, enlève-le, vas-y. Tu peux l'enlever maintenant. T'as été déguisé en chiotte, moi j'en ai rien à foutre. Eh, oh. Estime-toi heureux que c'est ça ou les flics, hein. Estime-toi heureux que ce soit pas les flics, d'accord? Mais tu t'es pas obligé de faire ça. Estime-toi heureux que ce soit pas les flics, t'es pas obligé, mais au moins tu comprends. La prochaine fois, c'est les flics, tu as compris? La prochaine fois, je vois une lame de rasoir dans les toilettes. Écoute-moi bien. Je vois une lame de rasoir dans les chiottes. Je viens te voir à toi direct, je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Je viens te voir à toi et je vais poser les images. Donc fais attention. Viens tous les jours. Reviens tous les jours. Mais pour regarder qu'il n'y ait pas de lame. Hein. Parce que s'il y a une lame, ce sera toi le responsable. T'as compris? T'as compris ou pas? Ouais. Voilà. Allez, viens, on s'arrache. Regardez-le, il a pris des bâtons. Il a pris des bâtons. Pour essayer de récupérer le téléphone, quoi. Il se sert des bâtons comme une pince.
Mais gros, c'est mort, il ne retrouvera jamais son téléphone. Il est cuit. La fille a fait vomir. Ah oui, c'est dégueulasse. Et ouais. Non.